11h30. Ça fait 1h30 qu'on attend les candidats dans cette putain de pente. Y'a personne. Y'a personne. J'ai faim. J'ai pas mangé ce matin. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en peux plus. Merci Lorraine. Merci. Larguer là. Ah, ils sont trop forts pour moi, hein. Allez, rattrapez là. C'est trop dur pour l'instant. Ça va, le démarrage était costaud, on l'avait vu avec un beau dénivelé. Ah, un début ça, de descente assez technique, mais par contre super joli, très beau paysage. Oh,
du soleil et des nanas. Bienvenue à Galasrinda. Alors Marianne, bonjour. Comme les nouvelles vont vite, on sait que ce matin vous avez fait du canyoning. Tout à fait. C'est pour ça que je suis assise sur ce capot, je fais sécher mes fesses en fait. D'accord, donc vous avez les fesses mouillées. Bah ouais, j'ai pas eu le temps de me changer vraiment, donc voilà, technique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous livrer un peu vos impressions sur le canyoning, c'était bien ? Le canyoning c'était super sympa, ouais. Une mini frayeur avant de sauter, mais voilà, je soutiens mes équipes à fond et je les suis presque partout. Pas question de les suivre en VTT ou en course, mais tout ce qui est à ma portée, ouais. D'accord, le VTT de la course, c'est quand même bien les trois quarts du raid. Ouais, c'est donc bien pas à ma portée, c'est ce que je disais. Ok, qu'est-ce que vous allez faire d'autre comme épreuve d'ici? Eh bah, bien, toutes les épreuves où il faut pas avoir de muscles, en fait. C'est fait pour moi. Les épreuves chamallow, c'est bon, je fais. Les commandements du raider, tu respecteras. Putain, mais les raiders, vous écoutez vraiment rien à ce qu'on vous dit, c'est vraiment n'importe quoi. On a dit dans les poubelles les bouteilles. C'est n'importe quoi ça, hein. Allez Richard, allez Richard! Tu vas l'avoir ton maillot Richard, vas-y! In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Absolutes are inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling weave out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East style. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Just get into it, yeah. Get stupid, get retarded. Franchement, on a vu deux équipes qui allaient beaucoup plus vite, hein, et c'est pas comme ça que vous allez gagner les raids, hein. Oui, bonjour, alors que nous marchons à l'heure actuelle à côté de l'équipe 9, ça va pas très vite, hein, il va falloir avancer, là, le premier est parti, hein. Oui, vas-y, mais roule. Roule, c'est facile, comme ça je marche, ça va pas très vite. Voilà, ça va, alors comment ça va? Le vélo est bien? Le vélo est pas mal. Voilà, oui, non mais là, si tu veux le maillot à poil, là, il va falloir aller plus vite, hein. Le vélo est pas mal. Oui, non, je tiens à dire, c'est remarquable l'effort qu'il fait. On vous dépose. C'est interdit, monsieur, c'est interdit. Ce serait quoi plutôt ton genre de mec pour l'été? Pour l'été? Ah, ce qu'il y a différent pour l'hiver et pour l'été? Oui, tout à fait. Le genre de mec que tu as l'été. Ouais. Ah, si, on sait très bien qui c'est. Au CP2, la course est déjà bien lancée et il n'y a plus une minute à perdre. Alors que DF arrive au stand, on me signale que Plastic Omnium est sur ses traces. Qui va être le plus rapide au stand?
C'est parti, nos concurrents font le plein de carburant, une vidange est effectuée et les dernières consignes sont données au pilote. Aujourd'hui, Madame Martin était faire son marché. Les concurrents remontent sur leur vélo, la course est toujours aussi serrée. EDF a un dernier problème avec son vélo et c'est finalement EDF qui l'emporte pour 3 secondes sur Plastic Omnium. Si Jean-René, alors qu'on nous annonce à l'instant qu'il faut rendre l'antenne, nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce match en direct sur NX Télévision. Me font les vaches font me. Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Me font les vaches font me. Me font les vaches. On a une trentaine de laitières. Et puis une vingtaine de génisses. C'est-à-dire que c'est des génisses, c'est des jeunes vaches qui n'ont jamais fait de veau encore, qui n'ont jamais mêlé. Puis là, on a les petites. Là. Celle-là, c'est pour le renouvellement. Là, on a un petit peu des chèvres, de la volaille, un petit peu. Enfin, c'est surtout pour nous. Des récoltes aussi de pommes de terre, un petit peu de. Enfin, du foin aussi. Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Me font les vaches font me. Me font les vaches font me. Alors, est-ce que vous en avez chié? Pas du tout, c'était facile. D'ailleurs, on aurait bien fait une petite boucle en VTT, mais... D'accord, donc nous avons l'équipe 39, l'équipe de dites des prétentieux. Non, non, c'était bien sympa. Ça donne envie de continuer. Vous avez chié? Le VTT, les côtes à la fin, ouais. Attends, on est en vacances quand même. Hein. Ouais. Donc, Là, j'ai pas mal, en fait, je fais semblant. Je fais semblant. J'ai pas mal. Faut maintenant le gros jeu. Bon. Alors, je trouve qu'on peut pas vous entendre. On s'y fait parce que. Bon. Ouais! Nous, on commence, c'est pas encore un jeu. Mais je t'en prie. Other behind, you make me such a happy man. Never felt like this before. Day after day, I love you all I can. Every night you make me love you more. My kind of woman. My kind of woman. Et pour demain, 30 km et demi de course à pied, spéléo et vélo. Vous partirez de Villard-de-Lans et vous arriverez à La Chapelle-en-Vercors. Je voudrais juste dire un bonjour à Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Vous voulez qu'on vous dépose ou pas? Ah, c'est bon, merci.